garde à vue de Nicolas Sarkozy a repris ce mercredi 21 mars, dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen lors de sa campagne victorieuse en 2007. L'ancien président de la République est arrivé dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre ce matin à 8h. Entendu par les enquêteurs dès mardi 20 mars, Nicolas Sarkozy avait été autorisé à rentrer à son domicile parisien situé dans le 16e arrondissement de Paris vers minuit. Il a ainsi pu souffler après 16 heures de garde à vue et se changer les idées auprès de sa femme Carla Bruni. Nicolas Sarkozy a pu passer la nuit à son domicile, un privilège assez rare pour certains. Autoriser à garder la vue à rentrer chez lui pendant quelques heures avant de revenir répondre aux questions des enquêteurs, ce n'est pas un traitement habituel, confie un magistrat financier à nos confrères d'Europe 1. Ce n'est pas le traitement appliqué aux communs des mortels, a également précisé un haut responsable de la police à nos confrères. Une mesure qui peut néanmoins être prise dans les dossiers financiers du fonds, quand la police a déjà toutes les pièces et qu'il n'y a pas de risque de fuite. Une mesure néanmoins assez rare prise plutôt lorsque les personnes entendues sont âgées ou ont de graves problèmes de santé. Fermez les guillemets indiquetablement, les policiers et les juges d'instruction ont pris en compte son statut d'ancien président de la République à Bufiala Ako, le chef du service police-justice d'Europe. Crédit photo, Best Images.